Bonjour à vous mes chers, en ce samedi 13 novembre, je vous accueille sur la musique de João Gilberto. C'est une journée dédicacée aujourd'hui à notre enfant intérieur. Alors je vous présente évidemment Bozem qui est notre carte du jour, dont je vais vous parler tout de suite. Bozem, c'est l'enfant intérieur. Bozem, c'est notre capacité à faire que l'âme agit et que le monde devient magique. Et dans notre tirage du jour, Bozem est bien accompagné. Et je vais vous montrer maintenant que vous avez vu mon visage du matin, je vais vous montrer les cartes. Donc, j'ai tiré ce matin Bozem dans l'arbre d'apprendre en atout qualité. Nous avions Voyat. Voyat, c'était la vérité en situation actuelle. Donc la question et l'injonction, c'était vraiment de retrouver... Voilà, je vais baisser un peu João Gilberto parce que je ne m'entends pas réfléchir. Voilà. Hop. Donc nous avions avec la vérité l'injonction d'apprendre une nouvelle vérité. Comment l'apprendre ? Eh bien, se servir de nos atouts et de nos qualités. Et c'est Bozem. C'est cette carte-là qui va nous apprendre. Ça veut dire que notre vérité provient de notre enfant intérieur. Et pour nous accompagner aujourd'hui dans le tarot, nous avions le monde. Vous voyez la beauté de cette image ? C'est que d'une certaine manière, Bozem, qui tout à coup ouvre les yeux pour pouvoir comprendre la vérité de qui il est, de son cheminement, de ce qu'il a à apprendre, et pouvoir s'appuyer sur le monde. Et le monde ici, c'est, on va dire, l'empreinte et l'image magique de sa réalisation, puisque le monde est la 21e carte du tarot. Si on extrait le mat qui est son promeneur dans le jardin des tarots, le monde arrivé tout en haut de ces arbres de connaissances parle de la réalisation, de la naissance d'un soi. Et ici, elle nous dit que la naissance provient de la compréhension de notre enfant intérieur. Voilà pourquoi j'avais envie, dans le jeu du volcan intérieur, de vous parler de Bozem et de nos blessures d'enfant et de notre capacité aujourd'hui, accompagnée de l'oracle d'Arcadia et de la chance, oracle d'Arcadia, qui nous parle de chance, de dame fortune qui va donner la chance à l'enfant de faire opérer la magie. Alors, pour en revenir à Bozem, voilà les peurs de Bozem, peur de l'adulte qui a oublié sa nature d'enfant, blessure d'abandon et de rejet. La question du jour, si vous en êtes encore à expérimenter l'affirmation de vous-même et de votre identité, comme nous le demandait Xerda hier, hier Xerda nous parlait d'affirmation de soi, eh bien aujourd'hui, Bozem nous dit... La question à nous poser, puis-je être accepté et adopté dans un nouveau paysage ? Est-ce que l'enfant parfait, nirvanesque que je suis, celui qui savait exactement entre 0 à 7 ans comment j'allais pouvoir devenir cet adulte en cheminement, en mission, en illumination, en intuition, en inspiration, eh bien c'est cet enfant nirvanesque que j'ai rencontré en moi entre 0 et 7 ans qui a pu me donner une piste et qu'il s'agit aujourd'hui de retrouver. Voilà le mantra du jour, accostage. En avant, toute voile dehors, je ne crains ni l'ailleurs, ni les paysages inexplorés. Avec la candeur de l'enfant, j'aborde ce terrain de jeu. Voilà le mot-clé du jour pour nous, et je vous montre notre image, et c'est l'image d'un enfant qui comprend comment il peut faire opérer, main gauche, la magie de son cœur pour ouvrir et donner et distribuer au monde. Voilà l'image que j'ai voulu mettre dans cette courte vidéo. Alors je vous souhaite une belle rencontre aujourd'hui avec votre enfant intérieur. Activez la magie, faites-vous plaisir, activez le jeu, essayez de rentrer en relation avec cet enfant qui vous parle, mais qui vous parle si doucement, qui chuchote, qu'on ne l'entend pas toujours. Essayez d'entendre de quelle magie vous êtes porteur pour ce jour.
Et puis, j'en profite quand même en fin de vidéo pour vous inviter à rejoindre ma nouvelle planète, anacartelejeu.com. On a beaucoup travaillé avec Thibaut, Chloé, Anaïs du Digital Council ces dernières semaines, depuis début septembre. Et je crois que vous avez aujourd'hui un nouveau jouet Internet de relations à disposition. anacartelejeu.com. J'avais plein d'autres trucs à vous dire, mais ce sera pour demain. Aujourd'hui, place à la parole magique de l'enfant. Bonne journée à vous.